Bonjour, bienvenue à ce e-workshop. On aurait préféré vous voir plutôt dans le cadre d'une vraie conférence. Bon, bientôt, probablement que on se retrouvera physiquement. Voilà. Bon, c'est un exercice qui malheureusement, en fait, on commence à avoir l'habitude de faire des e-workshops. Alors, le thème que l'on va vous présenter, c'est travailler sur les facteurs d'ambiance pour débuter une démarche qualité de vie au travail. C'est un sujet qu'on avait porté avant la crise sanitaire. Et c'est vrai que les facteurs d'ambiance, et vous le verrez, n'ont pas forcément les mêmes portées aujourd'hui. On parlera d'autres facteurs d'ambiance que l'on portera avec beaucoup plus d'intérêt. Voilà. Alors, sur la page d'après, est-ce qu'on peut bouger? Voilà, très bien. Donc, je ne suis pas tout seul pour présenter. Voilà, il y a Marion Brunet, qui est consultante en santé, qualité de vie au travail, qui m'accompagne sur ce sujet-là, et moi-même, qui suis consultant en laboratoire et ses mesures, et qui vais vous présenter plus particulièrement la partie facteurs environnementaux. Donc, je vais laisser la parole à Marion Brunet sur cette première partie. Et Philippe, pour pousser les diapos, c'est la petite flèche à droite. Ah ben, c'est parfait. Bonjour à tous. En introduction, est-ce que sérieusement on va parler de qualité de vie au travail et de facteurs d'ambiance alors qu'on est dans une période de crise? La réponse est définitivement oui. Oui, on va parler de qualité de vie au travail alors que les préoccupations sociales, économiques, elles priment, voire elles occultent complètement les autres dimensions du travail. Oui, on a décidé de parler des facteurs d'ambiance alors même que les bureaux n'ont jamais été aussi déserts, enfin en tout cas 30% des salariés en télétravail. Pourquoi? Bah, on a une mauvaise raison et deux bonnes raisons. La mauvaise raison, c'est qu'on a planifié ce e-workshop avant le reconfinement. Décidément, APAV n'est pas un cabinet de médium. Mais les deux bonnes raisons, c'est que la qualité de vie au travail, c'est pas un bonus finalement. En tout cas, c'est le message qu'on va défendre. La qualité de vie au travail, ce n'est pas un bonus qu'on va chercher une fois qu'on a réglé les problèmes de performance ou de santé. C'est vraiment un vecteur en soi de performance et de santé. Si on veut pouvoir relancer l'activité, finalement, on a besoin de conditions d'adhésion, de collaboration, d'engagement, que ces conditions-là sont réunies et c'est le cœur de la qualité de vie au travail. Et puis également, l'importance des locaux, voire une exigence accrue. La crise, elle révèle l'importance, des locaux. Les télétravailleurs, ils montrent bien qu'ils ont besoin des fois de retourner, aux locaux. Les locaux sont devenus un vecteur du lien, un vecteur, de la collaboration. Si je travaille depuis chez moi, quand je vais retourner sur le site, j'ai besoin de pouvoir collaborer, j'ai besoin de pouvoir tester, j'ai besoin de pouvoir me concentrer, peut-être même mieux que chez moi. Donc, j'ai une exigence qui est accrue. Voilà pourquoi on a décidé de maintenir ce e-workshop. Et c'est parti en trois parties très simples. Qu'est-ce qu'on entend, en tout cas du point de vue d'APAV, en termes de qualité de vie au travail? Quels impacts la crise a sur la qualité de vie au travail? La même chose pour plutôt axer sur les facteurs d'ambiance, comment on analyse les facteurs d'ambiance. Et enfin, comment agir pour arriver à combiner une approche très qualité de vie au travail avec une approche axée sur les facteurs d'ambiance de l'environnement physique de travail. Et vous avez aussi un chat où vous n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. On y répondra soit au fil de l'eau, soit à la fin. Alors, que signifie QVT, qualité de vie au travail, et quel impact de la crise on aurait dû mettre, bien sûr, au pluriel. Alors, pour définir la qualité de vie au travail, il faut bien partir quand même du constat que c'est un concept assez flou pour une majorité d'entre nous. C'est même un concept qui a été un petit peu galvaudé. Néanmoins, depuis 2013 et notamment depuis les années 2000, le réseau ANACT, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, et les ARACT, puis les institutionnels, à travers les directs, à travers de nouvelles réformes, tendent à poser une définition de la qualité de vie au travail sur lequel on va s'aligner et qu'on va résumer à travers trois caractéristiques. La qualité de vie au travail, c'est avant tout une démarche. C'est pas un but en soi, c'est une démarche qui vise à concilier la santé, la performance et la qualité du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une approche, une méthodologie qui va décloisonner où le RH, le responsable HSE, le responsable logistique vont devoir collaborer pour trouver des solutions
pour améliorer ensemble la santé au travail, la performance de l'équipe et la qualité du travail rendu ou la qualité du service. Cette démarche, elle ne vise pas à mettre en place, à faire plaisir ou à mettre en place un baby-foot ou organiser des after-work, surtout en période Covid. Cette démarche, elle vise à agir sur les éléments mêmes du travail, les conditions d'emploi, les conditions de travail, bref, les éléments sur lesquels l'employeur il a une responsabilité. Il y a cette petite marguerite du réseau ANACT qui est quand même assez formidable, qui présente 6 leviers de la qualité de vie au travail qui sont aujourd'hui assez... on les utilise beaucoup. On va parler au centre de la qualité de vie au travail, on va agir pour avoir de bonnes relations au travail, un climat social serein, un dialogue entre professionnels. On va agir sur le contenu du travail afin qu'il fasse sens. On va agir sur les conditions de santé au travail, les conditions de sécurité. En période Covid, ça va être aussi comment, par exemple, on aide à l'appropriation des gestes barrières dans le travail. On peut agir sur les compétences, les parcours professionnels. Si je fais le lien avec la crise Covid, la formation à distance, le développement de la polyvalence. On va essayer aussi de promouvoir l'égalité professionnelle, c'est-à-dire la lutte contre les discriminations, mais également l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et puis, tout ce qui est appui au management, engagement en démarche participative est également un des leviers de la qualité de vie au travail. Cette démarche qui vise donc à concilier santé, performance et qualité du travail, qui vise à agir sur les éléments mêmes du travail, elle a une conduite de projet assez spécifique. Et là, ça en fait toute sa spécificité. C'est une conduite de projet qui mise sur la participation des salariés. Rien de nouveau, vous allez me dire qu'il y a plein de démarches de progrès qui misent sur la participation des salariés. Bah, sans une de plus, on va utiliser du coup des méthodes de type questionnaire, mais encore mieux des ateliers d'expression, des ateliers pour amener les gens à s'exprimer eux-mêmes sur leur travail. C'est une approche qui décloisonne, je l'ai déjà un petit peu évoqué. Et puis enfin, une caractéristique, c'est qu'on expérimente les changements avant de les entériner. On est vraiment dans une démarche par petits pas où on cherche à tester quelques changements avant de les entériner et puis de les promouvoir. Est-ce que cette démarche, elle a survécu à la crise? Alors effectivement, là on a déjà un peu dit, la crise, c'est difficile de parler aujourd'hui de qualité de vie au travail. Alors même que les enjeux sociaux, économiques et puis qu'un certain nombre de salariés et d'employeurs sont en réelle souffrance, c'est difficile de parler de qualité de vie au travail tant le terme il est associé à une notion de bien-être. Pour autant, qualité de vie au travail, c'est ce que je vous ai défini avant, c'est vraiment une démarche et dont la crise révèle son importance. La crise, elle a révélé l'importance d'avoir des relations professionnelles saines, de collaboration. Elle a révélé le besoin d'agilité organisationnelle à travers, par exemple, la polyvalence, à travers le télétravail, mais pas que. Elle a révélé aussi l'importance du dialogue social pour entériner, accompagner les changements. Et puis aussi, elle a mis en exergue le rôle fort du management dans cette période de crise, à la fois pour manager les gestes de barrière, manager le télétravail, manager le changement, manager les individus, les collectifs. Tous ces éléments-là sont vraiment au cœur de l'approche qualité de vie au travail telle qu'on a évoquée avant, c'est-à-dire une approche qui vient décloisonner les conditions de travail et les conditions d'emploi. L'approche QVT a-t-elle survécu à la crise? Donc la réponse est pour nous oui, puisqu'elle a mis en évidence au contraire le besoin d'avoir des démarches qui valorisent les relations, le contenu du travail. Elle montre aussi l'importance de tirer les enseignements ensemble des impacts qu'ont pu avoir la crise sur les hommes, sur l'organisation. Finalement, quelles sont les ressources humaines, techniques, organisationnelles qui ont pu être mobilisées? On a plein de clients qui témoignent de la créativité dont ils ne se soupçonnaient même pas pour adapter les horaires, pour mettre en place des rotations de postes. D'autres clients valorisent ou au contraire nous expliquent à quel point le dialogue social a été tendu, a été un vrai frein à certains changements. La crise, elle a révélé des fragilités. On a par exemple un client qui nous a parlé des circuits, des process de décision
qui sont trop centrées sur une personne. Une fois qu'elle n'est pas là, bah, du coup, des décisions même de 50 euros ne peuvent pas être validées. Ou une dépendance avec, par exemple, une maintenance avec des sous-traitants externes. Tous ces éléments-là, en fait, la crise, comme elle a bouleversé les choses, il y a vraiment un intérêt, si on veut s'engager dans une démarche qui a été due au travail, de tirer les enseignements de la crise. Et plus globalement, on est aujourd'hui dans une période, je reprends les termes d'Adrien Chignard, de malléabilité organisationnelle. On est dans une période où il est finalement les changements de pratiques, d'habitudes, les nouvelles pratiques professionnelles, elles sont un peu plus faciles en ce moment qu'aujourd'hui. On est dans une période qui est malléable. Voilà pour un premier tour d'horizon sur l'approche QVT. Alors, bien sûr, et je conclurai dessus, en dehors de cette crise sanitaire, il y a plein de projets qualité de vie au travail qui peuvent être menés. J'aurais voulu être avec vous aujourd'hui pour les développer, eux. On a choisi de se repositionner un peu plus sur la crise pour faire sens, mais mener une démarche de prévention des risques psychosociaux ou de la violence au travail, avec la volonté que les salariés soient eux-mêmes force de proposition, ça peut faire partie d'une démarche qualité de vie au travail. Ce n'est pas exclusivement, mais ça peut en faire partie. On a aussi beaucoup de projets QVT qui sont vraiment pour amener l'entreprise à réussir un projet important. Par exemple, réussir un projet de réorganisation d'un bloc opératoire. Là, on est dans le cas d'une clinique qui, depuis plusieurs années, se rend compte que son bloc opératoire, il est inopérant, enfin, il y a une perte d'argent. Mais tout changement amène soit des tensions, soit de la part des médecins, soit la part du personnel soignant, soit la part de la direction. On ne trouve pas de consensus. Avec une approche qualité de vie au travail, en expérimentant des nouveaux horaires, en expérimentant une équipe mobile, on peut amener à trouver un système qui va convenir à tout le monde et en tout cas de permettre aux personnes de tester des changements avant de se forger une opinion et d'ajuster ces changements. De plus en plus aussi d'entreprises font appel à la QVT lorsqu'elles ont besoin d'améliorer l'accueil, l'intégration ou la fidélisation de personnel, surtout sur des métiers en tension, les soignants ou les professionnels de la maintenance. Ça passe par des choses très concrètes. Si par exemple on est dans un EHPAD où les nouveaux, la difficulté qu'ils ont, c'est savoir à qui je donne ce plateau repas. Les personnes âgées ont plein de régimes différents. Comment je sais, moi, à qui je donne ce plateau repas? Comment je me repère dans les locaux? Ça, quand on va sur ces questions du travail, de l'organisation du travail, de l'accompagnement, on est vraiment dans une démarche qualité de vie au travail. Le dernier projet que je vais juste citer, c'est d'améliorer le sentiment de bien-être dans les locaux. Les démarches qualité de vie au travail, comme elles sont souvent quand même menées aussi avec des professionnels des ressources humaines, on est souvent sur des approches très, très RH, qui mixe RH et puis prévention des risques. Comme on est à l'APAV, on souhaite valoriser ce type de projet qui mise à la fois sur des approches qui mettent en exergue l'importance des conditions physiques de travail à travers les locaux. D'où le lien avec la deuxième partie, d'intégrer, de faire un premier pas dans la qualité de vie au travail en travaillant sur les facteurs environnementaux, les facteurs d'ambiance. Bon, alors je prends la main sur la suite et on va parler de facteurs d'ambiance. Quel impact de la crise? J'aurais aimé en fait vous parler des facteurs d'ambiance en dehors de cette crise. Comme je vous l'ai dit en préambule, on l'avait abordé au temps où les open space faisaient foi, où on se posait la question notamment des environnements bruyants, de cette pollution en fait induite par notamment certaines activités, certains matériaux. Bon, aujourd'hui, ça a un petit peu changé, et donc on va voir en fait quel est l'impact de cette crise sur ces facteurs d'ambiance. Et comme vous le disait Marion en fait à l'instant, notre objectif c'est d'avoir en fait une démarche globale de la qualité de vie au travail en intégrant notamment ces facteurs d'ambiance. Alors pour parler de ces facteurs d'ambiance, je vous ferai en fait juste un petit point sur ce qu'on appelle la santé environnementale. Alors c'est une définition qui est beaucoup plus large, bien entendu, que la santé environnementale dans les locaux auprès de nos collaborateurs. Néanmoins, elle a cet intérêt, c'est qu'elle voit, on voit apparaître en fait dans ces points de santé environnementale un certain nombre de facteurs
Alors, il y a les facteurs esthétiques, sociaux, j'en parlerai pas, mais on voit d'autres facteurs comme les facteurs physiques. Et là, on parlera du bruit, par exemple, la lumière, température, hygrométrie, des facteurs biologiques. Alors, on est dans cette période de crise, bien entendu, complètement dedans, et des facteurs chimiques qui peuvent, dans leurs ensembles, en fait, apporter en fait un élément sur ce qu'on appelle la santé environnementale. Et elle concerne aussi ce qu'on appelle les politiques de gestion de ces facteurs-là. Et en entreprise, vous verrez, en fait, on va en parler, on peut aussi amener des moyens de prévention sur ces facteurs-là ou sur ces risques-là. Donc voilà un petit, une petite définition de l'OMS revue un petit peu au sein de l'entreprise. On a un certain nombre de facteurs qui vont impacter, bien sûr, les environnements et la qualité de vie au travail. Alors cette crise, bien sûr, alors vous voyez les facteurs, et là on voyait dans cette photo, il n'y a pas grand monde en fait dans les locaux aujourd'hui, on a plus du tout les mêmes priorités. On parle ici en fait des facteurs physiques, et donc je vous rappelle en fait pour ceux qui ont suivi le webinaire avant la crise sanitaire, qu'on s'inquiétait beaucoup en fait sur la partie bruit notamment, qui est une incidence importante sur l'anxiété, sur manque de concentration. Et l'INRS avait notamment publié un document qui reprenait notamment cet élément-là comme étant un élément perturbateur de la qualité de vie au travail. Les ambiances thermiques, bien entendu, et puis les facteurs chimiques qu'on va retrouver dans ces environnements qui peuvent avoir aussi un intérêt. Donc on retrouvera le CO2, et si je l'ai souligné d'une autre couleur, c'est qu'il a un intérêt dans cette crise sanitaire. Les composés organiques volatiles, les aldéhydes, les cétones, un certain nombre de produits chimiques qui sont présents et qui désorbent en fait de nos matériaux. Et puis les particules, on parle de PM2.5, PM10, qui sont en fait des éléments soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, qui viennent participer encore une fois à une dégradation de la qualité de l'air, de nos environnements en fait, et de nos locaux de travail. Et puis les facteurs biologiques qu'on y retrouve aussi, on parlera de particules viables ou de virus, et là pour le coup, là, dans cette crise sanitaire, on s'interroge notamment sur sa présence dans les lieux de travail, les bactéries, les levures et les moisissures qu'on peut rencontrer. Donc tous ces facteurs d'ambiance ont un réel impact en fait sur la qualité de vie au travail, et quand vous avez des environnements en fait qui sont pollués, nous régulièrement, dans le cadre des APAV, en fait, on reçoit des demandes qui sont liées à des symptomatologies liées notamment à ces polluants présents. Donc on va avoir des irritations des voies respiratoires, des gens qui vont avoir des maux de tête, et on retrouve en fait, quand on fait certains audits, quelques éléments qui sont présents ici. Donc ces facteurs d'ambiance ont un intérêt. Alors pour cette crise sanitaire, je vous ai souligné les paramètres qui sont le CO2 et notamment les virus, mais je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Qu'est-ce qui a changé dans cette crise sanitaire et pourquoi on va parler de ce virus? C'est que on s'est rendu compte depuis on va dire l'après confinement que les aérosols et notamment ce qu'on appelle en fait les droplets nucléi ou les gouttelettes de flux, qui sont les aérosols les plus grossiers, on sait qu'ils peuvent être éventuellement avec des charges virales plus ou moins importantes. Alors on avait en tout début de cette crise sanitaire, on n'avait pas considéré les aérosols comme étant en fait un risque sanitaire. Et puis l'OMS, certaines publications et certaines études, qui, notamment une récente qui a été publiée en octobre par l'université, entre autres de Montpellier, on a mis en évidence en fait la suspension dans l'air de ces aérosols dont on savait éventuellement qui pouvait être porteur de charges virales. Alors bon, il est évident que pour la partie qui concerne le coronavirus, l'impact est quand même le manuportage, mais néanmoins en fait ces aérosols présents dans l'air peuvent être pris en considération en termes de prévention. Donc c'est un des facteurs d'ambiance qui peut amener en fait une vraie dégradation, une vraie inquiétude dans les entreprises. Alors, pour pallier à ces interrogations-là, et compte tenu en fait des éléments que l'on a, ces éléments nouveaux qui nous amènent à penser que ces aérosols peuvent être présents dans l'air,
On a un certain nombre de textes de référence qui ont été publiés, et notamment certains du ministère, qui mettent en évidence des points de recommandation sur les équipements et les centrales de traitement d'air. Alors, ces équipements-là, on les retrouve bien entendu dans les locaux, quels que soient les locaux de travail. On va retrouver dans certains d'entre eux des centrales de ventilation, des systèmes de climatisation. Et l'interrogation, en fait, c'est que ces systèmes-là peuvent apporter éventuellement ou contribuer à un risque ou éventuellement le limiter. Donc, l'intérêt de ces textes, c'est de pouvoir apporter à connaissance les recommandations pour éviter, s'il y a présence d'aérosols et de risques de contamination, que ces recommandations puissent être portées sur ces équipements-là. Et donc, on va avoir des recommandations. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais pour vous dire que ces recommandations-là vont porter à la fois sur la ventilation mécanique générale, et donc on va voir apparaître notamment, on va souligner dans ces recommandations que les systèmes de recyclage qu'on peut avoir dans certains locaux, qui sont là pour gérer le confort en termes de température et d'hygrométrie, ces systèmes de recyclage viennent en fait recirculer l'air et peuvent avoir éventuellement un impact plutôt négatif s'il y a des aérosols contaminés. Et donc, on considère par ces recommandations qu'il faut limiter leur utilisation et donc pour éviter, encore une fois, le brassage de l'air. Ou alors équiper ces équipements-là quand ils peuvent l'être de filtres qu'on appelle à haute efficacité. Et puis pour les centrales de traitement d'air, quand il y en a, eh bien, c'est d'apporter en fait un renouvellement d'air qui soit éventuellement suffisant pour assainir la qualité de l'air et notamment la présence de ces aérosols. Alors, cet impact sur les facteurs d'ambiance et notamment sur la partie aération-assainissement, on le voit aujourd'hui au travers notamment des interrogations sur la réglementation. Il faut savoir que la réglementation opère depuis déjà de nombreuses années sur des obligations de performance sur certaines centrales de traitement d'air, quand elles sont là pour apporter de l'air hygiénique. Et on se rend compte aujourd'hui, au travers du coronavirus notamment, quand on fait des audits, pour beaucoup de ces systèmes, ils n'ont jamais été contrôlés ou dont on ne connaît pas les performances. Et là, on peut avoir des équipements en fait, qui sont des équipements pouvant être considérés comme un risque dans la diffusion de ces aérosols. Donc, il y a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est de souligner ces recommandations quand, dans les locaux de travail, on a des systèmes de ventilation et de vérifier surtout, au travers des réglementations, code du travail notamment, ou règlements sanitaires, si les équipements que l'on a sont performants déjà à minima au travers de ces textes-là. Et vous verrez, malheureusement, nous, ce que l'on voit, c'est qu'on a des écarts en fait qui sont constatés. On a des centrales de traitement d'air qui ont été mises en œuvre il y a quelques années, dont on a oublié probablement de faire une réception d'installation. Et on a aujourd'hui souvent des écarts notables. Pas d'apport d'air neuf suffisant, donc un assainissement qui se fait très mal. Souvent des diffuseurs en fait qui sont pas homogènes en termes de vitesse d'air. Voilà, un certain nombre de choses qui peuvent concourir notamment à un risque sanitaire. Et puis en termes d'aération, la meilleure des choses à faire quand vous avez en fait une ventilation dont on dit naturelle et des ouvrances sur l'extérieur, c'est d'ouvrir régulièrement en fait vos fenêtres pour assainir. Alors, je vous montrerai pas des courbes, mais l'INRS a publié certaines courbes avec la mise en œuvre d'aérosols dans des locaux. Et c'est vrai que le fait d'aérer régulièrement amène une cinétique des contaminations importante. Donc, aérer, aérer. Alors, ce qui va plutôt bien aujourd'hui, quand on parle de qualité de vie au travail, c'est que quand on aère, en fait, on assainit à la fois les aérosols avec ce risque sanitaire, mais on assainit aussi tous les composés organivolatifs, toutes les particules qui viennent ajouter à notre environnement, notamment une dégradation ou des risques associés. Donc, ça a un impact à la fois sur ces aérosols et à la fois en fait sur la qualité de l'air de façon plus générale. Alors, si voilà, je ferai pas un focus sur la totalité de la problématique de la qualité de l'air intérieur et ces facteurs qu'on dit d'ambiance, mais encore une fois, toutes ces problématiques que l'on avait avant
la crise sanitaire, mais aujourd'hui, on est beaucoup moins appelé, enfin, on est moins sollicité, il y a moins de monde dans les bureaux, et ces symptomatologies, en fait, qu'on voyait apparaître avant, d'où l'intérêt de créer, en fait, à la qualité de vie au travail, un lien étroit aussi avec ces facteurs d'ambiance, de les prendre en tête, de les prendre en charge aussi. On voit aujourd'hui, en fait, qu'ils se sont réorientés sur la partie aérosol à risque de contamination Covid. Et puis, on a un point aussi important qui focus sur ce thème-là, qui serait ce qu'on appelle le syndrome des bâtiments malsains. Quand les gens, quand nos collaborateurs sont chez eux ou à l'extérieur, dans un environnement qui n'est pas l'environnement en fait, de bureau, quand on revient dans les bureaux, on peut avoir en fait, un état d'anxiété et on peut avoir une dégradation aussi de la qualité de l'air qui peut amener ou qui peuvent amener en fait, ce qu'on appelle des syndromes des bâtiments malsains. Tout ça peut concourir aussi à un intérêt de vérifier nos installations et notamment ce qu'on appelle le CO2. On vient ici s'il n'y a pas de confinement. Donc, on va parler du CO2 juste après. Voilà, comment agir sur ces paramètres-là? Donc, un élément qui est important dans les facteurs d'ambiance, ça va être d'évaluer. Alors, on ne va pas évaluer la charge virale des aérosols, parce qu'on n'en est pas capable. Par contre, de façon indirecte, on va évaluer ce qu'on appelle la composition. Ou la concentration en dioxyde de carbone, qui permet en fait de se rendre compte si on a un assainissement déjà suffisant, correct dans les locaux. On est à peu près à l'extérieur, dans les environnements extérieurs, aux alentours de 350-400 ppm de CO2. À l'intérieur, peut considérer quand on n'est pas ventilé qu'on monte très très vite aux environs de 1000, 1200, voire au-delà. En termes de concentration en dioxyde de carbone, et là, auquel cas, on peut parler de confinement. Et si on parle de confinement, ça veut dire que tous les polluants ne sont pas assainis. Et si on a des aérosols contaminés, malheureusement, en fait, ils restent présents dans ces locaux. Donc, un élément, en fait, qui peut être un élément déclencheur pour ces facteurs d'ambiance, facile à mettre en œuvre, c'est de mesurer, en fait, la présence du dioxyde de carbone en concentration. Ça peut être un élément important dans la partie aération et assainissement des locaux de travail. D'autres éléments qui sont associés à la qualité de vie au travail, d'autres paramètres que l'on vient mesurer et qui nous permettent de se rendre compte en fait, si ces facteurs-là peuvent avoir éventuellement une influence sur le bien-être au travail, sont des paramètres à la fois chimiques et physiques qu'on va retrouver. Et donc, on porte en fait des analyses qui vont porter sur le bruit, l'éclairement, le confinement en CO2, la température et l'hygrométrie, certains composés organiques volatiles, des particules, et puis les oxydes d'azote qu'on retrouve à l'extérieur et qui peuvent induire à l'intérieur en fait un risque. Donc voilà ces paramètres en fait qu'on vient rechercher pour donner un avis sur l'environnement de travail. Donc, encore une fois, je vous dis aujourd'hui, avec la période de confinement et la période de crise sanitaire, on a plutôt axé en fait un facteur qui est le facteur lié au confinement, CO2. Pour les raisons dont je vous ai parlé. Donc, ce point-là et cette particularité, on va dire, de faire coïncider à la fois des monitorings physiques et chimiques et les baromètres qualité de vie au travail, c'est de pouvoir en fait se rendre compte au travers de ces paramètres-là qu'il y a peut-être aussi des environnements de travail qui sont à mettre en exergue, peut-être qu'on peut avoir d'autres problématiques en fait, et ces premières missions de mise en œuvre en fait de ces appareils-là, associés à des baromètres QVT, peuvent apporter en fait un intérêt dans une démarche plus globale. Si pour vraiment faire le lien, on voit bien que quand on va parler qualité de vie au travail, on est souvent en train de parler de conduite de projet, on valorise des leviers à travers le dialogue social, le management, à travers voilà la conduite de projet et l'engagement des salariés. À l'inverse, on a peut-être aussi des fois tendance à sous-estimer l'influence des facteurs environnementaux. Qui font partie pourtant intégrante des conditions de santé qu'on y trouve. La proposition qu'on peut faire, c'est que comme une approche QVT, finalement, il s'agit de décloisonner, de faire travailler ensemble des expertises aussi qui peuvent être complémentaires. Il y a un vrai intérêt de notre point de vue
arriver à coupler une démarche qui mise sur l'objectivation de données liées aux facteurs d'ambiance et une démarche qui mise plutôt sur le recueil de la subjectivité des salariés. Quand on parle de la subjectivité des salariés, c'est finalement le bruit. Vous le ressentez comment? Est-ce qu'il vous gêne? Est-ce qu'il ne vous gêne pas? Est-ce que vous ressentez des perturbations liées à la qualité de l'air? Est-ce qu'il y a des odeurs qui vous gênent? On peut très bien questionner les facteurs d'ambiance sur le plan de la subjectivité et de l'impact sur le travail et de regarder ça en parallèle avec un vrai monitoring de ces paramètres physiques et chimiques. Ça, c'est vraiment l'idée qu'on voulait vous montrer. C'est une approche un peu plus innovante quand on parle QVT, en tout cas, on l'espère, pour vraiment pouvoir apprécier l'influence des facteurs environnementaux en couplant une approche qui mise sur l'objectivité des données et la subjectivité des salariés. À la PAV, on dispose à ce titre d'un baromètre QVT, mais on anime également plutôt des ateliers d'expression où on peut utiliser aussi des compétences d'ergonomie. J'ai vu quelques noms parmi les participants qui sont ergonomes, et donc ça fait partie des méthodologies qui sont proposées dans ce cadre-là. Excuse-moi, Philippe. Non, non, très bien, très bien. Donc, c'était important en fait de ressouligner l'approche, cette approche globale, hein, qui est, à mon sens, en fait, nécessaire. Et on peut, par ces biais-là, et au travers du baromètre, en fait, se rendre compte, se rendre mieux compte, en fait, de l'état et de l'environnement dans lequel sont situés nos collaborateurs. Donc, voilà, pour cette partie-là, voilà, on a à peu près brossé les éléments qu'on voulait vous faire passer. Voilà, pour vous les rappeler en ce qui concerne les facteurs d'ambiance, on les a aujourd'hui malheureusement repositionnés sur la partie liée au confinement, compte tenu du risque lié aux aérosols qui peuvent être contaminés. Mais il ne faut pas oublier les autres risques et les autres facteurs chimiques, physiques, qui entourent la santé environnementale. Voilà. Oui, pour abonder dans ce sens-là, si au départ, avant la crise, la prestation typique qu'on pouvait nous demander dans ce tab-là, c'était les gens se plaignent des locaux, ils ne se sentent pas bien dans leurs locaux, ou il y a des odeurs suspectes, ou ils ont l'impression qu'il y a des maux de tête avec une symptomologie que vous a décrit Philippe. Là, on pouvait proposer des approches très combinées, à la fois avec un monitoring global des facteurs présentés et puis un baromètre qualité de vie au travail ou des groupes d'expression pour avoir une vision à 360 de la perception des salariés vis-à-vis de leur environnement de travail, mais aussi plus globalement vis-à-vis de leur qualité de vie au travail. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, c'est vraiment recentré sur faire un retour d'expérience de comment les gens vivent la crise au niveau du télétravail, au niveau de l'appropriation des gestes barrières, des modalités de collaboration, et à l'inverse, sur les facteurs d'ambiance, comment apprécier en fait ce côté confiné ou déconfiné au niveau de la qualité de l'air intérieur. Si je résume, il y a un repositionnement qui est effectué du fait de l'actualité. Voilà, donc on va répondre à vos questions. Surtout, n'hésitez pas, on a un petit peu de temps. Voilà, l'objectif, c'était de repositionner pendant cette crise-là. On s'est quand même posé la question de savoir si on allait maintenir en fait ce webinaire, compte tenu en fait des événements malheureux qui nous perturbent un petit peu. Et puis, c'est vrai, comme vous l'a dit Mario, on y a trouvé en fait un intérêt, à la fois dans la partie qualité de vie au travail, où on voit bien qu'il y a cette notion, même si les gens travaillent à domicile, on parle aussi de facteurs d'ambiance à domicile. Alors, je ne vous parlerai pas du bruit qui peuvent être là, pour le coup, un perturbateur en fait à domicile, quand on a des enfants, par exemple, ou quand on a son mari ou sa femme qui est aussi en télétravail. C'est assez compliqué. Et là aussi, on peut mettre en évidence aussi que ces facteurs-là peuvent avoir en fait une incidence sur la performance aussi. Donc voilà, donc on s'est dit, on va le garder quand même, on va le repositionner versus Covid, parce qu'il a quand même son importance. Et puis, il y a une actualité aujourd'hui avec les recommandations du ministère sur la partie aération et assainissement, qui est un élément important aujourd'hui à souligner dans ce cadre-là. Mais il ne faut pas oublier les autres facteurs et pas oublier que cette approche globale, elle peut être prise à la fois par de la mesure, mais il faut aller au-delà de la mesure. Elle peut être prise aussi par des problématiques liées, problématiques plutôt RH. Voilà, donc c'est une démarche, comme disait Marion, à 360.
J'espère qu'on ne vous a pas noyé et que le propos était assez clair, que vous avez aussi compris qu'on souhaitait mettre l'accent sur un focus d'une démarche QVT sur un des accès qui était assez en lien avec l'ADN APAV. Maintenant, avec plaisir pour répondre à vos questions que vous pouvez poser dans le chat et donc qui seront publiques ou dans l'onglet questions qui, du coup, ces questions ne seront pas visibles par les autres participants. Alors, il y avait une question, mais la réponse, on l'a apportée. Et donc, on peut s'en féliciter. C'est comment faire ces mesures concrètement? Alors, de façon concrète, pour aller un petit peu plus loin dans la réponse, en fait, on porte et on met en œuvre des appareils qui vont enregistrer, alors pas sur des courtes périodes, hein, on restera quand même sur des périodes relativement longues. On peut enregistrer pendant une semaine les phénomènes et les tendances liées aux paramètres induits par ces facteurs-là, qui peuvent induire en fait un risque d'un environnement dégradé. Et pour le CO2, c'est la même chose. En fait, on va laisser pendant une semaine un capteur qui viendra, c'est un petit mouchard en fait, qui vient se rendre compte si les aérations sont correctes, si vous aérez correctement vos locaux et si l'assainissement par ce biais-là se fait aussi. Donc voilà, c'est assez simple à mettre en œuvre et les résultats sont assez probants. Vous, est-ce que c'est des sujets, alors peut-être que nous allons vous poser des questions puisque vous n'en posez pas. Parmi vous, est-ce que vous avez déjà engagé des démarches qualité de vie au travail? Est-ce que vous avez au contraire engagé déjà des démarches pour améliorer les facteurs d'ambiance? Est-ce que vous pouvez nous faire part de vos retours et faire part de vos retours aussi aux autres participants? Oui, est-ce que la ventilation est un élément sur lequel vous avez porté une attention dans vos locaux? Donc oui, par le biais de sondages, mais pas vraiment sur l'environnement comme évoqué. C'est vrai que souvent, quand on parle qualité de vie au travail, on pense à la santé au travail. C'est des approches qui sont très, très développées aussi. Il ne faut pas le nier dans des secteurs qui ont l'habitude, qui ont une appétence pour souligner le lien entre la qualité du service rendu et la santé des professionnels. On va miser sur des méthodologies participatives. Le sondage peut en faire partie. N'oubliez pas aussi tout ce qui est atelier d'expression, entretien, où du coup, il y a une vraie capacité à donner aux salariés la possibilité de s'exprimer et d'agir directement. On a fait un jeu également. Okay. Quel jeu vous avez fait? Un jeu du réseau Anact? La boîte de com. Ok. Donc, je vais plutôt sur la communication pour amener les gens à évoquer ensemble. Je crois que c'est des questions assez en lien sur le travail. Démarche QVT initiée, mais pas selon les facteurs d'ambiance. Voilà. À travers vos retours, je trouve que ça entérine un petit peu ce qu'on pensait, où on a des démarches QVT qui peut-être négligent un peu des fois les facteurs d'ambiance, et à l'inverse, des démarches très axées sur les facteurs d'ambiance qui oublient de les resituer dans une démarche un peu plus globale QVT. Bon, oui. Si vous voulez sauter le pas, combiner les autres, n'hésitez pas. En tout cas, on peut vous proposer des choses ou essayer de réfléchir, vous amener à regarder aussi les mêmes faits ou les mêmes situations de travail de façon différente, façon avec facteurs d'ambiance. Oui, ces facteurs d'ambiance aussi, alors notamment pour revenir sur la partie qui concerne plus particulièrement l'actualité, sur cette ventilation, justement, ça a vraiment mis en évidence des écarts réglementaires. C'est-à-dire que beaucoup, encore une fois, d'éléments d'aération et d'assainissement, je vous rappelle, dans vos locaux, sont méconnus en termes de performance. Et pour autant, ils sont là pour faire respirer vos bâtiments. Encore une fois, je pense que c'est un élément qui est souvent mal compris, mal considéré, et pour autant, il joue un rôle essentiel en termes de confort et de qualité de vie forcément au travail. Donc, au travers de ces recommandations, qui sont peu portées ou portées dans certaines entreprises du ministère, il est aussi important de se rendre compte si les équipements que vous avez sont à la hauteur de ce qu'ils doivent être.
Madame l'évêque a évoqué le jeu du réseau ANACT. Donc, effectivement, le réseau ANACT propose des jeux aussi, et puis beaucoup de vidéos de sensibilisation et de documentation très utiles pour amorcer des démarches QVT. Nous nous y référons de façon très régulière. Vous pouvez aussi trouver, lors de la semaine de la qualité de vie au travail en 2020, à la PAV, on était en pleine sortie de crise, on vous a proposé quelques petits jeux d'animation, alors avec le dé de la QVT, des choses beaucoup plus simples, hein, sans prétention, mais pour pouvoir animer des espaces d'expression ou questionner votre environnement de travail avec un angle un peu plus qualité de vie au travail. Il suffit que vous tapiez « semaine de la QVT 2020 à PAV » et vous devriez retomber sur cette page qui est toujours en ligne. Et sinon, bah, vous nous envoyez un petit mail et on vous fera passer ces jeux. La majorité était plutôt adressée aussi quand même à des managers. Il faut pour pouvoir qu'ils animent un débrief sur la situation de crise, par exemple. Alors, il y a une question sur la partie environnement. Alors, ce que vous êtes en train de noter, c'est que vous avez déjà une démarche bien engagée. Vous ventilez vos locaux toutes les deux heures. Vous suivez votre production de panneaux photovoltaïques. Vous traitez les déchets, est-ce suffisant? Alors, je pense que c'est une bonne démarche, déjà, c'est se rendre compte et prendre soin, en fait, de pouvoir noter tous les éléments qui font la performance de vos systèmes. Je pense que d'aérer toutes les deux heures, c'est une très bonne chose, hein, on recommande aujourd'hui toutes les trois heures, mais je pense que si on veut le faire toutes les deux heures, c'est très bien. Après, on peut dégrader, malheureusement, les facteurs d'ambiance en température hygrométrie. Même si les températures aujourd'hui ne sont pas trop basses, enfin, en tout cas dans le sud-ouest. Je ne sais pas si vous êtes du sud-ouest, mais en tout cas, on a encore des températures qui permettent d'ouvrir et d'aérer régulièrement. Mais là aussi, cet élément-là, oui, il fait froid à Lyon, mais cet élément-là, il est à prendre en compte parce que ça peut dégrader aussi les environnements quand les gens travaillent avec des températures trop basses. Et pour ces éléments, c'est de vérifier si vos taux de CO2 en faisant des aérations, peut-être pas toutes les deux heures, sont assez bas pour considérer que vous assainissez correctement vos locaux. Voilà, ça peut être un élément supplémentaire à apporter si vous n'avez pas d'équipement mécanique ou de centrale de ventilation associée à vos locaux. Madame Simeret demande si on a fait des e-workshops sur le management. Oui, on a fait des e-workshops sur le management. Un sur le management pour le télétravail. Non, c'était pour aider vos managers à manager le télétravail. Vous le retrouverez sur le YouTube APAV. C'était Cécile Morin, qui est notre collègue, qui l'avait animé. Aujourd'hui, on propose, on accompagne souvent les managers, notamment sur cette problématique du télétravail. Et plus globalement, on a des prestations à PAF dans l'accompagnement des managers en termes de coaching, évidemment, mais pas que, plutôt du conduite du changement. Si vous avez des questions un peu plus spécifiques, je vous invite à les poser, puisque finalement, là, c'est un peu vaste. Le seul, je crois, e-workshop qu'on a fait récemment, c'était en lien avec le télétravail. Mais peut-être que vous avez une question plus particulière. N'hésitez pas. Alors, forcément, ça fait un peu pub, mais je vais quand même le faire. On a développé, du fait de cette crise, en lien avec la qualité de vie au travail, des ateliers pour soit amener des salariés à débriefer de la période, à prendre de la hauteur sur la période et entériner de certains nouveaux modes de fonctionnement sur le télétravail. Et beaucoup d'ateliers concernent directement les managers, à la fois pour finalement qu'ils arrivent à manager les gestes barrières, à manager quand ça commence à se compliquer, manager les risques psychosociaux, manager dans un contexte d'incertitude et puis manager le télétravail. C'est vraiment les quatre thématiques sur lesquelles on a cherché à outiller les managers sous format d'ateliers courts. Bien sûr, avec des managers, le prérequis, ça reste que des managers doivent être formés au management. Je vois que ce n'est pas Sophie, en fait, derrière, c'est Christelle, qui est notre relais marketing et hyper réactive. Bravo, Christelle. Hein. Il y a une question sur le manquement au sein d'APAV. Bon, je pense que, comme dans toutes les entreprises,
On porte à connaissance et on travaille aussi sur ces facteurs-là, le mieux qu'on puisse, hein, mais je sais que ce n'est pas forcément toujours évident et partout de façon homogène. Mais c'est vrai que c'est un travail en fait qu'il faut faire. Il faut surtout faire remonter ces inquiétudes aux managers pour que les choses en fait se modifient. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas le simple fait de le dire. Je crois qu'il faut être acteur aussi, tous acteurs en fait au travers de à la fois de ces facteurs d'ambiance, de considérer que on peut travailler mieux si on modifie l'esthétique, si on modifie les pressions sociales, si on fait attention à cet environnement, si on arrête régulièrement. Je crois que tout ça, en fait, il faut pas attendre aussi que les managers ou la direction, en fait, mettent en place tous ces schémas-là. Il faut faire remonter, être acteur aussi de ces points. C'est pas évident. C'est vrai qu'on en parle, mais on se sent de toute façon tous concernés par ces actualités-là. On arrive vers la fin de ce webinaire. Je vous invite à répondre au sondage. On vous propose en fait de vous contacter dans les semaines qui arrivent pour essayer de contextualiser un peu plus l'échange en fonction de vos projets et vos besoins. Si vous ne souhaitez pas être contacté, vous n'hésitez pas et vous nous le signifiez et du coup on ne vous appelle pas. Sinon, alors on n'essayera qu'une fois, ne hein, vous inquiétez pas, mais on essaiera de vous contacter pour voir dans quelle mesure on pourrait répondre à vos questions. Voire vous accompagner sur des projets de qualité de vie au travail ou voire de qualité de l'air intérieur. Voilà, et n'hésitez aussi, faut surtout pas hésiter à faire partager vos expériences. Elles permettent de nourrir aussi ces présentations et de faire en sorte en fait que les environnements, et quels qu'ils soient et où on se trouve, en soient améliorés. Donc, je pense que toutes vos expériences sont bonnes à prendre. Donc, n'hésitez pas à échanger auprès de nos consultants, auprès de nous, pour apporter en fait votre pierre aussi à cette démarche QVT et facteurs environnementaux. En tout cas, merci d'avoir été présent jusqu'au bout sur cette petite présentation. Voilà, donc on reste à votre disposition. Et merci Marion pour cette excellente présentation que tu nous as faite. Merci à tous, merci. Je vous ai mis nos adresses mail, n'hésitez pas et on vous souhaite, prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, bonne qualité de vie au travail ou bonne qualité de vie au télétravail, en télétravail. À bientôt! À bientôt, au plaisir!